On est reparti? Putain, alors je devais streamer hier. En fait, comme j'ai fini plus tôt, j'aurais pu streamer. Et je commençais quand même beaucoup plus tôt au lendemain. Bah, j'ai dormi. Et là, ah bah, j'ai traîné avec des potes et j'ai traîné après discuter avec ma soeur. Donc, Ça on existe? était. Ah oui, ils avaient Retournons fait le les con avec le gars. wagon. Marcus a dit que le cimetière locuste se trouvait dans une mine, non? Ok. Pourtant, les écumeurs nous font monter Alors, vers un juste une petite musée tête comme ça pour bizarre. retour. Hey, je suis ouvert aux suggestions si quelqu'un a une meilleure idée. Non. Pas Eh vraiment, bah, non. ma voix a l'air ok Alors, par on rapport continue de les au suivre. jeu. On me l'aurait déjà dit hier. Je déteste ça. Oh putain, c'est un panneau. Je me disais, mais qu'est-ce que prend la guerre ici? Mais non, c'est un panneau. Venez, on sort. La vermine! Allez, c'est parti! Je sais même pas s'il y a des mini comme ça dans le K5. On me parle pas en tout cas. C'est fini, allez, on continue de monter sur les traces des écumeurs. Là, un écumeur, près des vieux baraquements. Il doit se diriger vers les hauteurs et la tour du fort. Ok, alors c'est là qu'on va. Je me répète, mais je croyais qu'on cherchait une mine. Encore des rejetons. Attention à l'explosion. Ah, mais j'ai plus de grenade. Elle a lancé une grenade, mais... au max. Bon, ce soir on finit le jeu, on est à moitié de l'acte 3. Après on sera l'acte 4 et 5, donc ce sera le level. Ouais, il aurait pas eu mes premiers. On aurait déjà fini. Ah, ou à la limite on sera sur guerre tactique. J'ai vu un drone! Encerclé!
pas du tout cet endroit. Ouais, tu m'étonnes. Oh, Zik. Non, pas Zik, meurt. Il faut. Rien de pire que ces monstres-là. Ils sortent. Oh, ils arrêtent pas de sauter sur moi, c'est chiant. Ce gars vont... Sur moi ? Sachant que je vais streamer ce soir tout seul, ça va être la tristesse absolue. C'est pas encore fini. Allez, on a... Quoi? Il m'a trouvé de se préparer dans sa gueule. Et me tue en plus. Accroche-toi, je me dépêche. C'est bon, il y en a plus. JD, la tour est encore loin? Je sais pas trop, on va d'abord tomber sur le musée. Bon, espérons que l'entrée soit interdite aux faux. Sinon, on laissera une note dans la boîte à suggestions. Vous connaissez la chanson, on le suit. Ah merde, encore la vermine. On a une tourelle. Sur quoi lui là-haut? Il en reste encore! On a des rejetons! Allez! Ça nage! Oh, ça nage! Oh, ça fait mal! Et un pack de munitions. C'est bon, RAS dans le musée. Regardez autour de vous, il doit y avoir une issue. Je dis que l'issue c'est la porte que j'ai regardée tout à l'heure. Bah je pète un plomb. Et le pire, tu sais quoi? J'suis sûr que c'est ça. Oh merde! Une autre pluie termine l'attaque par devant! Utilisez tout ce que vous trouvez pour les...
s'en surchauffe. Attention, ils sont entrés. Personne ne protège d'ailleurs. Personne ne protège. Ils sont rentrés. Qui a ouvert la porte. Enfin! Plutôt interactif cette exposition. Et on dirait que c'est fini. Enfin, allez, trouvons un moyen de sortir d'ici. Je sais ce que je vais mettre dans la boîte à suggestions. Accueil déplorable. C'est par là que l'écumeur est passé. Il doit être encore dans les parages. Vous savez à quoi je pense? Cet endroit grouillé de tout pistement. Des familles entières. C'était bien avant notre naissance. La CGI a laissé tous ses sites à l'abandon. Et elle a enfermé tout le monde derrière des murs. Pas tout le monde. Il faut pas oublier une chose. Mon père, Rena, Oscar, et même Jean, ils ont tous vécu un véritable enfer. Et ce genre d'endroit les y replonge. Ouais. Et maintenant c'est à nous de sortir. Détruisez, Fanny! Attention à l'explosion! Normal. Sait comment abaisser ce pont-levis? Il doit bien y avoir un moyen d'abaisser ce pont. Ah. Ça y est, c'est bon. Bon, ça baisse. Voilà, ça devrait marcher.
Allez, rentrons dans cette tour. Oh merde, il nous a trouvés! Ouais, t'as de la chance que cette porte nous sépare, hein? Tu te dis qu'il a de la chance. Yeah, Pocket, comment ça? Ouais, je vais bien, les problèmes de meubles froids sont quasi réglés. Toujours pas de report d'alarme. Mais on a un visuel sur l'ordinateur de chez soi. Je suis pas d'astreinte. Bah les couilles. Donc en fait hier j'ai quitté plus tôt. Mais comme j'ai quitté plus tôt, je devais faire des heures sup aujourd'hui. Du coup je commençais plus tôt aujourd'hui. Et aujourd'hui bah je devais arriver tôt, j'avais fini à 21h. Sauf que j'ai des potes qui se traînaient dans le parking, du coup je suis resté jusqu'à 22h30. Je suis rentré à 23h et quelques. Après j'ai squatté avec discussion avec ma soeur. Et j'ai lancé mon stream il y a 20 minutes. Et on est sur Gears 4 comme t'as pu voir. Donc après ça il ne manque plus que Gears 5 et Gears Tactics. Et bâtard. Attention, en voilà d'autres. Yes. Je vais check pour me faire peut-être des streams depuis ma Switch. Bah franchement tente, c'est un une carte d'acquisition. Le mieux c'est une carte d'acquisition, pas un HDP vert et tout. HDP vert t'as un gros trop gros décalage. C'est vraiment une carte d'acquisition pour stream, tu vois. Et ça va le faire. Là pour le coup. Le petit décalage que t'auras. Par exemple là je vise. Donc par rapport à ce que je dis, tu vois viser, t'auras un décalage à la limite d'une seconde max. À part si les cartes d'acquisition encore plus récentes, encore mieux. Et HDP vert, t'as au moins 30 secondes de différence. Un gâteau 4 canaux. Ouais bah. Zéro latence, bah parfait. Alors faut savoir que avoir un. À part pour enregistrer pour toi et rediffuser sur YouTube par exemple. Ou sur YouTube tu peux mettre du 4K. Sur Twitch, je crois que t'es limité encore à 1080. Après faut. Ah oui, alors après. Il te manque toujours la côte toi, non? C'est pas ça qui te manquait? Mais non, mais... Alors, après, vois, si tu veux streamer, vois pour un boîtier 4G. Si tu veux vraiment absolument streamer, tu vois pour un boîtier 4G. Ou le 4G de ton téléphone. Chez moi. Wow, la poisse. T'habites dans le camp paumé en fait. Toi que j'ai un frère, ça fait une semaine qu'il essaie de télécharger Call of Duty, ça prend du temps. Tu sais quoi, faudra que je le prenne aussi, parce qu'apparemment il va pas rester longtemps. Déjà des maths il va rester un petit moment. Et après on pourra le retrouver qu'en version physique. Et encore ils vont pas renouveler les versions physiques, tu vois. Donc apparemment c'est des packs qu'il faut vraiment acheter. Oh voilà, tu vois. Tu vois, donc ça veut dire que si je le veux, le mieux en format physique, c'est le prendre et plus tard, vu que c'était temporaire, ça peut valoir une fortune. Donc tu t'as ça sous blister, parfait.
on est sûr de savoir d'où ils venaient. Et on sait où vont les écumeurs. Bon. Vas-y, on a 43 euros. Ah ouais? Eh, hey, JD. Et si on se la jouait à pierre-feuille-ciseaux? Tu veux rire? T'es trop nul à pierre-feuille-ciseaux. Dis-moi, comment on peut être trop nul à pierre-feuille-ciseaux? Facile, parce que tu prends toujours la feuille. Ah ouais? C'est parti. Pierre-feuille-ciseaux! Putain. Bon, le plan n'est pas changé. On suit toujours l'écumeur, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Y a un problème? Tu veux dire, à part le fait qu'on ignore où il est et où on va? C'est un super plan. Hé! On a l'écumeur! T'es sûr que c'est le même? J'ai pas entendu la radio de Marcus. Y a qu'un moyen de le savoir. Il faut descendre. Va se battre contre un boss. Il s'appelle le fils de pute d'écumeur. Et le pire, c'est que c'est pas le pire des monstres. Ah merde, je déteste ce bruit. Mais voilà. Alors lui, on va faire tac tac. Merde. Oh non, c'est triché ça. Voilà. Oh, c'est trop bien ça. Ah merde. Ah merde. Heureusement que je meurs pas à chaque fois que je me couche, pas comme dans Gears of War 1. Et te revoilà parmi nous. Quoi, peut-être que Gears of War 1, c'est même bon, plus dur. C'était le dernier. Ah, je sais que ça va paraître bizarre, mais c'est bien que ces causes soient là. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Merde. Hé, hey, mais où il va? Sûrement chercher ses copains. Venez, par ici. Attends, y'a un pack de mines. Merde, Mako vient de partir en couille à l'instant. Ça a l'air bon. Du coup, oui, ce que je voulais dire. Je sais plus. Ouais, au pire du pire, si tu peux pas streamer, ouais, au moins tu peux toujours enregistrer si tu veux. Hein. Alors voilà. Tu reviens à l'ancien format, le truc de l'époque, le format Let's Play. Comme un Let's Play qui est mort, qui a été remplacé par tu stream et tu m'éternis. Ça craint à mort. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Oh, j'utilise pas le Kaomas depuis tout à l'heure. Autant prendre un petit long shot. On a des drones. On va voir si j'ai pas perdu la main. Je l'ai touché, mais pas headshot. Et comme d'hab. Je la gueule, il se barre en plus cette pute. Quoi? Non, là j'étais parti de l'attraper, il a sauté en même temps que je l'attrape, c'est une injustice.
quoi? Et bah je l'ai raté. Putain, j'ai pas eu la tête. Ou je reprends le pompe. Là les mecs ils me rushent trop à la gueule et j'ai rien à part une tronçonneuse, tu vois. Oh non. Le chope. Oh non, il a bougé. Ah oui, le pompe il est nettement mieux que Gear of War Judgment. Oh oui. Y'a un mec derrière moi? Ah bah oui. Je suis une salope. Kate. Bah oui, ok, Dell est mort aussi. Putain, il est mort. Il a même pas là, si. Il a pas lâché son fusil à pompe. Shot. Mais pareil, lui, il a lâché son lockshot. Où? Ouais. Ah, ok, la fête est finie. Yeah, Loli! Je sais pas, t'as pas du jeu, je suis claqué. Je sais, t'es là que pour monter ton niveau et maintenir ton, ta première place. D'un côté c'est ma faute, j'ai streamé tard, alors depuis hier j'aurais pu streamer, hier j'avais la flemme pour le coup. Et aujourd'hui j'avais fini à 21h, donc je me suis retrouvé à discuter avec quelqu'un, avec mes groupes de potes, jusqu'à 22h30. Qu'est-ce qu'on fout ici? On suit les écumeurs. Qui sait, peut-être que c'est... Et après le temps que je rentre et tout, bah j'ai streamé vers minuit à peu près, un peu de temps après minuit quoi. Ouais, mais oui, mais tout à fait. C'est la faute de mes potes, t'as vu à quelle heure je suis parti? Ouais, j'en ai peur. J'ai besoin d'aide ici. Bon, il voit une porte. Oui, ça me soutient. Et il y a Pocket aussi pour me parler. Pocket, lui, quand il est là, il me parle au moins. Toute la soirée. Tant qu'il est là. Pas comme Lali qui vient juste pour dormir. Gaffe aux drones au fond, ils ont des arbalètes, attention! Ok, alors soit on est sur la bonne voie, soit on a vraiment la poisse. Qui sait? C'est peut-être les deux? Autour. Ils ont ressorti les vieilles répliques. Super. Boum, boum, stock à l'arc. Je lance une grenade. Viens, montre-moi ton pizza. Et je suis mort de quoi? Je te vois. Allez, hop, allez, on prend. Ils sont le camp d'ici. Ça fait un moment. Et on prend cette écumeur. Où? J'ai besoin d'un coup de main. Mais pas heure tardive, lol. Non mais Lali, tu vas tenir toute la soirée. De toute façon, il suffit juste qu'il y a Nana qui apparaisse et tu tiens toute la nuit. Est-ce qu'elle va apparaître un samedi soir? Edel, tu disais que des rois étaient enterrés ici? Bah, ce type m'avait tout l'air d'être un roi de quelque chose. Génial, il a filé. Comment on fait pour le suivre maintenant? Oui. Beaucoup plus simple à tuer les fauves avec ça. Ils ont sorti le tapis rouge. Prends ça.
bien fait. Quand même utiliser une balle d'arc, c'est vraiment super. Hein. Alors. T'es tout chou, HS. C'est ton âge, ça. Trop vieille. Pas autre chose à envoyer que des rochetons. Ok, on doit passer par là et suivre cet écumeur. Ouais, ok, mais comment on fait? Bah c'est par où? Par là? Attends, mais t'as vu l'heure? Mais et que 1h du mat. Attends, parce que moi j'aime bien le jeu. Passons par là. Ok. Pour lui, c'est où? Par là. Vous trouvez quelque chose? Passons par là. Marron lui. Allez, passons par là. Hé, hey, y'a un trou en dessous de ce truc. Aidez-moi à le pousser. Merci. On va quand même pas jouer à pierre feuille ciseaux à chaque fois. Ou selon la version de Nel, feuille. Mais oui, je sais que tu m'adores. Très drôle, vraiment drôle. Où est-ce qu'on est maintenant? Facile. On est perdu. Au moins, on est sorti des catacombes. Retrouvons cet écumeur. Facile. Perdu. Grenade à fond. Bah, l'un de vous a envie de découper cette horreur? Pourquoi t'as découpé? Pourquoi tu passes pas par en dessous? Arriver au milieu. On va devoir se séparer si on veut retrouver l'écumeur. Toujours la zone élevée. Je prends le chemin du haut pour vous couvrir. La vermine en pagaille, mais pas d'écumeur. Élimine le chasseur en haut. Headshot. Raté. La chute. Ah, oui. Raté deux fois de suite. On m'a gâché une balle d'arc parce que tu m'as tapé dessus. Viens ici. Non. Ouf. Laisse-moi ta balle là. Mais. Ah, là voilà. Alors, je suppose que ça sera un drone. Je suppose que... Toi aussi. J'aime bien aussi ton jeu, sinon je serais pas là, hein. Que pour le jeu, hein. Quelle saloperie! Même pas pour moi, essentiellement. Eh, tu sais quoi, Lali? Avant-hier, j'ai fait un scandale. On a avancé dans le jeu. Acte 2, hein. À un moment donné, j'ai mis sur pause, je fais... Ouais, attends. Tout à l'heure, vous parliez pas du jeu. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Ils sont en mode... Eh ben, il faut tuer les bébêtes, les locustes et tout, je fais... Ok. Est-ce qu'on a croisé une seule fois un locuste? On avait battu que des robots. Après, dans l'acte 3, on voit des locustes et tout. Il fait, ouais, tu vois, il y en a et tout. Je crois, ouais, mais l'acte 1 et 2, il n'y en avait pas. Personne n'avait suivi l'histoire.
personne. Tu sais bien que j'aime aussi ton jeu, sinon je serais pas là, hein. Que pour le jeu, hein, bien sûr. C'est ce que je viens de dire, t'es là que pour le jeu. Je te parlais d'avant-hier, les autres. Du coup, la question est... Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Une balle dans le vide. Lali, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? On est en train de faire quoi? Encore des drones! Ils sont retranchés! Essayez de les contourner! T'as entendu? Allons l'aider! Je crois que je fasse parce que je suis tout seul. J'ai plus de drone. Ok, waouh, beau travail d'équipe. Ouais, dommage qu'on sache toujours pas où on va. Ouais, bah c'est un détail ça. Les locustes sont revenus. Dans Gears 3, on est censé avoir tué toute menace locuste. Et là, les locustes sont revenus. Et les robots du début, c'est assez juste qui sont venus des enculés. Puisqu'ils croient qu'on a enlevé les gens. Alors qu'en fait, non, c'est les locustes qui ont enlevé des gens. Et là, on est en train d'essayer de sauver Marcus. Oui, parce que t'as bien remarqué que... Ok, c'est qui le personnage qu'on joue? Les suivre, là-dedans. Ouais, pourquoi pas. On peut utiliser ce vieux transport de minerais. On dirait un ascenseur pour l'enfer. C'est ça. Ça résume bien la situation. Vous pensez que ce transporteur est sûr? Quand est-ce qu'il a été utilisé pour la dernière fois? Il y a 25 ans, quand ils ont descendu les corps. Et pourquoi avoir enterré des locustes dans une vieille mine? Apparemment, ils pouvaient pas les brûler à cause de la cristallisation. Ils ont été obligés de les enfouir. Ouais, mais les locustes venaient justement des entrailles de la Terre. Ouais, enfin, personne n'a dit que c'était une bonne idée. Chaque bastion doit compter. Lali a toujours pas répondu. Lali, qui est le personnage qu'on veut? T'as l'air surpris. Ok, alors attends, c'est juste le temps que je m'habitue à cette arme-là. Bah, j'aime pas cette arme là. La coupée erreur. Ah ouais. Donc je posais la question, qui est le personnage qu'on joue? Ok. Ah, mais je suis nul avec cette arme quoi. Ok, c'est bon. Est-ce que tu sais qui est cette meuf? Proche des coups d'origine. Merci! Putain! Lali qui a suivi alors qu'elle a même pas vu le début du jeu! Merci! Merci! Et là, on va là où ils ont... il y a 25 ans, où ils ont lancé les corps locustes. Grimpons à ces échelles. Ok, mais précisément plus, Kate, c'est qui? Si tu le sais. Allez, perdons pas plus de temps. En fait, je crois qu'on le sait qu'à la fin du... 4. Enfin, tu supposes à la fin du 4. Et c'est confirmé avec le 5. Ok, qu'est-ce qu'il y a? JD, on sait pas ce qu'il y a là-dessous. On sait même pas ce... J'ai vu les autres diffs. T'as vu les rediffs, sérieux? Ah bah c'est bien, au moins t'as fait ton devoir. Écoute Del, si t'as peur, tu... Arrête, la peur a rien à voir là-dedans. Je te signale que pour l'instant, on sait même pas où on est. Quand tu voulais quitter la CGU, est-ce que je t'ai lâché? Est-ce que je t'ai lâché? Pas du tout.
Parce que je t'ai fait confiance. Là, c'est à toi de me faire confiance. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok? Ok. Toi, t'en penses quoi? Ça fait quand même un moment que Marcus est dans l'écumeur. Hein. On va pas s'arrêter ici. Toi, tu sais pas. Ah ah. Alors, je te laisse deviner les origines de Kate. Tu penses qu'il marche? Peut-être. En principe, l'équipement de la CGU était construit pour durer, alors il devrait démarrer. Bien. Non. Le contrôle et mettons-le en route. Sachant que le personnage principal dans le 5, c'est Kate. Hein. On va plus JD, on va jouer que pour le chapitre 1. Enfin l'acte 1. Et après, ça va être surtout Kate qu'on va jouer. Oh putain, on va se retrouver dans une phase de défense. Je me demande s'il marche encore. C'est bon. Du coup, bah, si tu sais pas, je te dirai pas. Mais on le saura peut-être ce soir. Si t'es encore réveillé. Super, les lumières sont allumées. Et pourquoi le moteur démarre pas? Bonne question. Il doit être à court d'essence. On peut essayer de basculer sur la réserve pour voir. Ok, et elle se trouve où? Juste de l'autre côté, sur le point inférieur. Ok, je m'en occupe. Je vais rester là et je démarrerai quand t'auras fini. Ah, il y a quand même un fils de pute qui a été lâché quoi. Je déteste ces trucs. Ça y est, c'est bon, démarre-le. Tout le monde descend! Tu te souviens qu'on descend dans un nid de monstres géants, hein? C'est vrai que dans l'excitation, j'avais un peu oublié ce détail. En parlant de monstres? On a un fabricateur, non? Et si on fortifiait la plateforme de contrôle, on peut la défendre, bloquer les accès? Ouais, parfait, j'ai entendu le mot défendre, n'en dis pas plus. On risque pas de coincer la bulle sur cette plateforme. De coincer la quoi? La bulle. Désolé. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire qu'on a aucune chance et que ça va pas être de tourpeau. Ah, je vais faire ma fiotte. Ouais, c'est ça. Je suis Greg qui déconne. Je dirais... Vas-y, je t'écoute. Ça se voyait pas trop qu'on descend. C'est bon, j'ai établi les défenses là. J'ai plus de points. T'as pas un lien avec quoi? Hey les gars, vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! C'est ça le prix de finalement! Ils se prennent dans les rouages! Ils nous attaquent! Eh hey merde! On doit défendre la plateforme! À gauche, ils arrivent! Ah merde! On a des rejetons! Peut-être! On est plusieurs ici, viens m'aider! Moi je reste comme un lâche ici. Bouge pas. Et je viens de capter que ma toilette a des balles. On a un problème ici. Ah.
Ils ont l'air de gérer, hein, je les laisse tout seul. Hein. Oh merde! Encore des rejetons! À droite, ils arrivent! Des rejetons. T'as quoi d'avoir mis une barrière? Si ils passent par dessus. Ils nous encerclent. Mais je suis sûr qu'ils vont revenir. Alors construisons plus de fortifications. C'est pas le moment de coincer la bulle, comme dirait l'autre. Eh, continue de parler comme ça et Jean pourrait bien te nommer sous-lieutenant. Ah oui, tu crois? Je préfère encore m'immoler. Bah, vu la situation, ça devrait pouvoir s'arranger. Voilà, ça y est, saute sur les barrières. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Un petit loft ici. Une toile. Là. Non, tu sais quoi? Eh. Comme je suis un champion du monde, tu mets le leurre ici. Du coup, ils vont tous attaquer le leurre. Et tu mets la tourelle comme ça. Ici. Comme ça, la tourelle va attaquer le leur. Si je suis pas intelligent. Ils attaquent à nouveau! Ils arrivent par la droite! Mais voilà des drones maintenant! Et j'attends. C'est que ouais, alors si t'as regardé les rediffs, Nana et Mar, ils sont pas. C'est un délire de jumeaux. Mon jumeau, c'est ma jumelle. Et ils voulaient que je stream jusqu'à 5h du mat, et l'autre fois jusqu'à 6h. Et je leur ai dit, je travaille moi. Oh merde, ramène-toi. J'y vais, je te l'en Regarde, j'ai rien besoin de faire. Allez, peut-être de loin. Allez, je vais aider un peu la toile. C'est un enfant mort. Non, il a notre âge. Enfin, pas ton âge. C'est peut-être trop vieille, mais il a notre âge à peu près. 27, un truc comme ça, je crois. Si je dis pas de conneries. Non, c'est 27, c'est Nana. Oh, je sais plus. Ouais, il est pas jeune, t'inquiète. Pas tenu longtemps le. Gaffe aux drones au fond! Ils ont des arbalètes, attention! Regarde où tu tires! Ah non, ça c'est idéal ça. C'était folie l'enfant! Après, c'est vrai que pour toi, Lali, Mar, c'est un enfant pour toi. Je sais que t'aimes bien les jeunes. Au
faute pour revenir au terme de tricheuse, pas du tout. En fait, je matais ton live sur mon tel et barbu sur mon PC. Et quand je dis que gigot, ça a sonné mais chez moi. Et je pensais avoir fermé, sauf que le live est resté en arrière-plan, tu sais. Et la fonction était lockée. C'est les autres qui ont dit tricheuse. Moi, je pense pas l'avoir dit. Ou peut-être. Je sais plus. Oh, faut que je te raconte une histoire. Ouais. Tu sais, ce soir, quand j'étais posé avec les potes et tout. Tu sais, on parlait de je sais plus quoi et tout. Et à un moment donné, ça parlait du drive. Il me fait, ah, comme un exo drive et tout. Je fais, t'as eu un exo drive. Et après, il fait, oups. Et il croyait que je le savais. Je l'attends, lui qui m'appelle là. Alibot. J'attends lui qui m'appelle Alibot. Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, c'est ces saloperies de filament. Ils font chauffer le moteur. Ils reviennent à la charge. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Les vermines arrivent à gauche. Oh non, encore des rejetons. Et du coup, elle avait fait une gaffe parce que j'étais pas censé le savoir. Enfin, elle pensait que je le savais déjà. Et après, je fais, mais des gens qui avec qui au drive? Et après, je lui disais, mais attends, y'a que des gosses au drive et tout, t'aimes pas sortir avec les plus jeunes que toi? Et après, je réfléchis, je fais, attends, y'a qu'un seul qui est plus âgé que les autres, le cordeau. Et là, elle m'a regardé avec un sourire, merde. Et du coup, j'ai trouvé, je fais, non, t'es sorti. Mec. Putain, par contre, Mako, par en couille, la liste, si ça déconne, ça vient de moi. Bah tiens, justement, c'est quoi, je parle d'elle, j'en parlais en vocal et tout, je fais mais non et tout. C'est quoi? En plus, je le refais et tout, je fais mais non, pendant tout ce temps, en fait, quand tu disais que c'était lui, et après je disais, en vocal à part, je fais mais attends, le mec à l'hôpital, quand t'étais à l'hôpital et tout, c'est lui et tout. Elle vient d'écouter le message, ah, il y a 30 minutes, elle me fait oui, PTDR, c'est lui, oublie PTDR, je suis mort. Et Mako, elle part vraiment en couille. Mais pourquoi, à 1h du mat, Mako partira en couille? Je télécharge un. Finir. Et après, dans ma tête, je lui fais. Et en plus, dans le message vocal, je fais, mais attends. Du coup, c'est le mec hyper jaloux. Non, on dirait pas et tout. Elle est morte de rire. Putain, Mako qui déconne. Je vais pas arrêter mon live parce que Mako déconne encore. Sinon. Happy ball. Del, s'il te plaît, gâche pas tes balles. Tu laisses. On a d'autres drones. Ouais, s'il te plaît. Non mais attends. C'est quoi, je vais faire comme la dernière fois. Bouge pas, je relance le live et je le remets.
ça aura pas marché, il aura fallu que je coupe EBS et que je le remette, des fois c'est ça. Et si ça marche toujours pas, là c'était vraiment ma coupe. Mais en ce moment mon OBS il merde un peu. On peut pas continuer comme ça. On doit faire repartir le transporteur. Ok, allons-y. C'est pas si simple. En broyant ces filaments, on a grillé le moteur. On repartira pas tant qu'il aura pas refroidi. Super. Alors, on fait quoi? On doit trouver la salle de moteur. Oh, pas de si tout. Est-ce que je dors par rapport à son projet? Ouais, apparemment. Avec quand le live, donc message. Ça a coupé, genre. Yo, tu sais quoi, j'y repense, faut que je regarde, parce que j'ai, tu sais que j'ai pas regardé son projet encore. Et je pense qu'il y a un truc qui me cloche, parce que je crois qu'elle a... Attends. Hop. Mais je le dirai, dès que je la verrai. Je vais dire... Non, t'as même pas envie de la suivre, parce que... Faut lire tout le long, mais moi lire, c'est... Et j'imagine que c'est le rôle de ces... Déjà, j'ai du mal à lire un livre, alors... Je crois que ces cours de mécanique ont porté leurs fruits. Occupez-vous de l'autre valve! À la limite, au lieu de faire un film où ça soit un gros bloc. J'espère que ça va marcher. D'accord. À la limite, au lieu de faire un gros bloc, elle aurait dû faire ça en format épisodique, peut-être. Le système de refroidissement va faire en format problème. Saison et épisode. Tu sais, des saisons. Au lieu de faire un film, c'est un saison. C'est bon, on repart. Et tiré d'affaire, on ouais, donc un format épisodique en audio. Parce que... Qu'est-ce que je branle, moi? J'en ai marre de ces game over où on a perdu parce que mon allié est mort. On doit faire repartir le transporteur. Ok, allons-y. C'est pas si simple. En broyant ces filaments, on a grillé le moteur. On repartira pas tant qu'il aura pas refroidi. Bon, maintenant on doit activer le système de refroidissement. Et j'imagine que c'est le rôle de ces grosses roues sur le mur. Je crois que ces cours de mécanique. Occupez-vous de l'autre valve. Tu mets quoi? Mets quoi? J'ai pas compris. Tu mets point d'exclamation. J'espère que ça va marcher. Le système de refroidissement va faire son travail. C'est bon, on repart. Vous entendez ça? On n'est pas encore tiré d'affaire, on dirait. Allez! Tu mets moins, tu m'étonnes. De quoi tu mets moins? J'ai rien. Capiche. Viens, assis-toi. Voilà d'autres rejetons! Saute! Saute que par ça. Kate? Yeah. Il est là! Oh non, j'ai accroché un rejeton! Putain, je voulais accrocher le faux, mais ça a accroché sur le rejeton. Ah, il est accroché sur le rejeton. Hé, la plateforme passe plus en plus vite!
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu peux faire quelque chose? Comment tu veux que je fasse? Je sais même pas ce qui se passe. Ah, merde. C'est moi les abreuvations. Merde, on va s'écraser. Ok, on peut peut-être activer le frein d'urgence. Où ça? L'autre côté de la plateforme, vite. La plateforme prend la vitesse. On n'a plus beaucoup de temps. Ah, bordel. Dégage de là, putain! J'ai pas que ça à faire! Mais je suis mort de quoi? Ta gueule, c'est sur la. Bon, là, ce que je comprends, si je rush pas, on est mort! Je vois le frein! On est mort? Non. S'en sortir. Bordel de merde. Hey, tout le monde va bien? Étonnamment, oui, ça va. À peu près. Alors, allons trouver mon père. Ah, putain, le chapitre 3 est long.